Yo tout le monde, ici Karyang61 et nous voici dans une nouvelle vidéo d'un jeu Xbox 360. Le jeu s'appelle Fable Anniversary. C'est le tout premier Fable qu'il y a eu sur la première génération de Xbox. Et donc voici la version Xbox 360. Et donc nous allons voir le changement. Et graphiquement, je pense que c'est encore plus beau. Donc, let's go, hein. Allez, salut, à tout de suite. Au cœur des forêts d'Albion, se nichait la petite ville d'Oakval, inaltérée par le temps et épargnée par l'épée. C'est là que vivaient un petit garçon et sa famille. Un garçon qui rêvait de devenir un jour, un héros. Parfois, il s'imaginait en noble chevalier ou en puissant magicien. Parfois encore, il se voyait en guerrier maléfique. Mais même dans ses rêves de grandeur les plus fous, il était bien loin d'imaginer le pouvoir et le destin qui l'attendait. Allez, debout. Encore à rêvasser, hein? Comme ta mère, toujours la tête dans les nuages. Eh bien, va donc trouver ta sœur, tu veux bien? Elle est partie jouer près de la porte des Barrowfields, et tu ne lui as pas encore offert de cadeau. Ne me dis pas que tu as oublié. Pas question que je fasse tout pour toi cette fois. Écoute. Je te donnerai une pièce d'or pour chaque bonne action que tu feras à Oakval. Ça devrait être suffisant pour un cadeau. Allez, vas-y, et évite les ennuis. Re tout le monde, nous revoici dans le jeu Fable Anniversary sur la console, sur le support Xbox 360, et donc voilà, nous allons voir ce que ça donne au niveau du gameplay. Alors, il faut que je retrouve ma sœur, c'est ça qu'il vient de dire. Elle est où la sœur? Y'a quoi? On va prendre. Alors. J'ai perdu Rosie. Je l'ai laissée, mais je sais pas où. Je dois changer son rembourrage, mais je ne la trouve pas. Aide-moi. C'est un mignon petit ours en plus avec une pièce bleue dans le dos. Alors. Viens par ici, ma citrouille. Oh, espèce de bête. Quoi? Mais j'étais juste. Je n'ai jamais rencontré cette femme, c'est qui? Pas un mot à propos de tout ceci, d'accord? Ma femme est à la maison avec les gosses. Moi, je suis censé travailler. Mais un homme devrait pouvoir faire ce qui lui chante. Qu'en penses-tu? Je vais te dire, si tu gardes ce secret, je te donnerai une pièce. Alors, puis-je te soudoyer pour une mauvaise action? Attention. Non. Ne dis rien à ma femme.
Elle ne doit rien savoir de ceci. Je ne cesse de penser à toi. Ok. Alors... Ah, ils ont vraiment bien... ils ont vraiment changé... Ils ont vraiment bien changé le jeu, quand même. Hein. Ils l'ont bien changé. Hein. Ça... Une petite fille m'a dit que tu avais une sœur et que c'est son anniversaire. Et il paraît que tu n'as pas encore de cadeau. Il se trouve que j'ai une jolie boîte de bonbons avec moi. Pour 3 pièces d'or, ils donneront le sourire à ta petite sœur, c'est garanti. D'accord. Bah, je sais pas si... J'ai pas d'argent, là, actuellement. Je ne demande que 3 pièces d'or, et ta sœur va adorer. Souvenez-vous, votre père vous donnera de l'or s'il entend parler de vos bonnes actions. D'accord. Ok. Alors... C'est qui, ça? Mais où est donc mon bon Ariam Marie? Avec une femme, je parie, je gère la maisonnée, j'élève ses enfants, et qu'est-ce que j'ai en retour? Rien. Dis, si tu le trouves, préviens-moi. Parle à la femme, oui. C'est bien vrai? Je vais en faire de la pâtée pour Balverine. Merci de m'avoir prévenu, jeune homme. Vous avez combien? Première bonne action, vous allez parler, d'accord. Attendez que j'attrape ce gros porc. Alors là, je suis allé voir mon père. Ah, il peut courir plus vite. D'accord. Alors, mon père, il est par là, il est là. C'est bien, fils. Voici pour toutes tes bonnes actions. Alors, as-tu assez d'argent pour le... Non, j'ai pas assez, c'est 3 pièces qu'il me faut. Alors, attends, faut que j'aille chercher... Alors, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, ok. Ça fait rien. Ça va être la petite sœur, je pense. Bonjour, chère petite sœur. Ouais, c'est la petite sœur. J'espère que tu n'as pas oublié quel jour on était, comme l'an dernier. Désolée de t'avoir réveillée cette nuit. J'ai encore fait l'un de ces rêves. J'étais dans ce champ quand quelque chose est arrivé. Mais je ne sais pas quoi. Mais on s'en fiche. J'attends toujours mon cadeau. Dis-moi. Eh ben, pour l'instant, tu n'as pas de cadeau. Voilà, c'est tout. J'ai pas assez d'argent. Alors... est-ce qu'on peut sauter? Non. Il y a un mur, on peut pas sauter. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, il y a un truc qui brille là ou c'est moi? Ah non, c'est l'ombre. J'ai cru qu'il y avait quelque chose qui brillait. Ouais, alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Espèce de petit crétin! Empêche-le! À l'aide! Il parcourt la ville et casse la figure au plus petit que lui. Tu as l'air fort. Tu pourrais lui faire peur un bon coup. Alors, pour attaquer un personnage hostile, d'accord... Ok. Non, pas lui, c'est lui.
je vais le laisser tranquille, mais ne le frappe plus, s'il te plaît. Merci. Merci de l'avoir arrêté. Je te laisse, Rosie. Elle sera en sûreté avec toi. Un ours en peluche. Ok, donc après, il faut que j'aille... Là, il y a quoi par là Loué soient les dieux. Pourrais-tu me rendre un service, mon gars? Mon gars. Je dois... la nature m'appelle. Pourrais-tu rester ici et surveiller ma marchandise? Restez là et surtout, ne bougez pas. Je placerai un mot en votre faveur en rentrant. Je reviens vite. Alors attends. D'après mon cousin, les tonneaux dans ces entrepôts pourraient contenir des trucs. Vite, voyons ce qu'il y a dans ces tonneaux pendant son absence. À moins que tu n'aies la trouille ou que tu sois une fillette. Viens, allons casser des trucs. Tu vas rester planté là comme un arbre ou quoi? C'est si ennuyeux d'être gentil. Eh ben ouais. Tu voudrais pas casser des trucs plutôt? Non. Non, on casse rien. Allez, on a le temps avant qu'ils reviennent. Non. Ah, t'es pas drôle du tout. Bah ouais. Que veux-tu? Très bien, fais donc tes bonnes actions. Excellent. Tu m'as rendu un grand service. Je dirai à ton père quel bon garde tu as été. Ok. Donc... qu'est-ce qu'elle veut? Ah oui. C'est bien, fils. Voici pour toutes tes bonnes actions. Bien, je crois que tu disposes d'assez, fiston. As-tu parlé? Vous avez maintenant cet argent pour acheter la poupée de la sœur. D'accord, ok, on va chercher la poupée de la sœur. Kaamelott! Heureusement, je les ai encore. Vite, donne-moi 3 pièces d'or et ils sont à toi. Ils sont à toi, jeune homme. Souhaite un bon anniversaire à ta sœur de ma part. C'est bien, mon gars. Je savais que tu m'offrirais des chocolats, comme dans mon rêve. Rentrons à la maison. Mère sera de retour pour ma fête à tout moment. Hop là. Attends, il y a un problème. Andy ! Ouche. Mais quelle horreur ! Les voilà ! Tu dois te cacher ! Thank you.
Quelqu'un! Le mal s'était abattu sur Oakval. Des bandits brandissant feu et acier tuaient et brûlaient tout sur leur passage. Des flammes rouges sang embrasèrent la nuit et les villageois hurlaient et imploraient pitié. Mais bientôt leurs corps jonchaient les rues. Les pillards arrivèrent à la dernière maison où vivaient le petit garçon et sa famille. C'était pour trouver ces gens qu'ils avaient massacré tant d'innocents. Le père se battit pour défendre les siens, mais il n'était nullement guerrier et fut mortellement blessé. Les bandits mirent la maison à sac, mais ne purent trouver le garçon. Malgré la torture et les menaces, sa sœur et sa mère demeurèrent silencieuses. Elles furent emmenées par leurs assaillants. Le petit garçon, caché dans les bois, fut témoin du carnage. Sa vie tout entière venait d'être réduite en cendres. Il était seul. Alors, il y a le feu dans le village. Il y a le feu dans le village. Alors, je peux pas passer par là. Ce lieu n'est pas sûr. Partons. Tous morts. Tu ne veux pas les rejoindre, hein? Bien. Donne-moi la main. Je pensais que ton estomac était plus costaud. Allez. Garde tes forces, petit. Ce n'est pas moi que tu dois combattre. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais je t'ai sauvé la vie. Il n'y a plus rien pour toi à Oakval. Et si tu étais resté, tu serais mort comme tous les autres. Viens avec moi. Je m'appelle Maz et je dirige la guilde des héros. Tu as dû en entendre parler. Il n'existe pas d'endroit plus sûr dans tout l'Albion. Tu peux même l'appeler ton foyer. Si tu veux ta revanche, il te faudra suivre l'entraînement que nous seuls proposons. Nous y voilà. Je vais te présenter au maître de la guilde. Il sera ton guide désormais. J'ai un...
Nouvel élève pour vous. Conduisez-le dans les dortoirs avec la fille. Vous ne m'avez pas l'air d'avoir l'étoffe d'un héros. Mais Maz, c'est ce qu'il fait. Enfin, je crois. Suivez-moi, alors. Vous partagerez cette chambre avec Whisper, l'une de nos plus brillantes élèves. Elle joue dans les bois pour le moment. Vous la verrez dans la matinée. Pour l'heure, allez vous reposer. Vous commencez demain. Faut se réveiller. Tu dois être mon partenaire. Plus petit que je ne pensais. Moi, c'est Whisper. Je suis là depuis un mois. J'avais la chambre rien que pour moi, mais... c'est pas grave. Tu parles en dormant. Tu faisais un cauchemar ou quoi? Ça arrive souvent les premiers jours. Il y en a qui tiennent pas une semaine. Toi non plus, si tu n'y vas pas. Le maître de la guilde nous attend dans la salle de la carte. Ne sois pas en retard le premier jour. Suis-moi. On dirait que le maître de la guilde en a eu assez d'attendre. Il doit être au terrain d'entraînement après la rivière. Allons-y. Alors, le... Alors, attends, il y a des trucs là. Je suis un peu paumé là. Là, il y a quoi? C'est dans ce réfectoire qu'on sert les repas. Le ring de mêlée se trouve dehors, après le pont. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, attends, hop. Alors là, il y a du monde, ok. Alors, attends, qu'est-ce qu'il me dit? Ça va être sûrement l'entraînement, je pense. Parce que de mes souvenirs, j'avais fait un entraînement. On discute pour savoir si je suis l'apprenti le plus rapide de la guilde. J'ai mis 50 secondes aller-retour. Bon, vous pouvez faire mieux? Bon bah... et revenez en moins de 50 secondes. D'accord. Si je n'avais pas cette blessure à la jambe, je ferais mieux. Je suis l'apprenti le plus rapide de la guilde. Encore toi, bonhomme? Ah, c'est là, elle est là-bas, là. Ah bah, s'il me coupe à chaque fois que je cours, je suis un petit peu embêté, là. Hop. Bois est sombre. Seule une lumière la révélera, mais tu n'es pas assez brillant. C'est pas là que je devais aller, là? C'est là que les héros exercent leur volonté. Vous avez réussi à vous séparer de votre oreiller? Bien. Très bien. Voyons un peu ce dont vous êtes... Voyons si vous possédez le moindre potentiel. Entrez dans le ring. D'accord. En fait, j'ai dû me... Je veux que vous frappiez ce mannequin aussi fort que possible. Continuez. Je vous dirai quand arrêter. D'accord. Ok. Alors, ok. Ok. Eh bien, ces impacts m'ont l'air plutôt faibles, hein? Essayez ça. Un bâton.
C'est un peu mieux. Quand vous tuez un ennemi comme ce mannequin, il libère des orbes d'expérience. Ces orbes contiennent l'expérience gagnée lors du combat. Ramassez-les, c'est très important, sinon vous n'apprendrez rien. Ramassez cela. Bon travail. Demain, nous pourrons... C'est l'alarme de la guilde. On dirait que quelque chose rôde dans les bois. C'est une bonne occasion de tester votre force d'âme. Je vous attends à l'entrée des bois pendant que vous vous chargez du problème. Quand vous aurez fini, nous parlerons de votre entraînement. Alors, tuer les scarabées qui infestent les bois de la guilde. Ok. Le ventre... D'accord. Alors... Il y a du point rouge. Ah, il y a du scarabée là. Passer, non, je fais tout le tour en fait, c'était juste là. Bon travail, garçon. Ces scarabées peuvent être une vraie plaie. Voilà, vous avez bien mérité un peu d'argent de poche en récompense. Si vous voulez plus d'argent, les serviteurs ont sûrement besoin d'aide. Vous pouvez entrer en début de soirée. Adressez-vous à moi quand vous serez prêt à dormir. Voulez-vous laisser votre enfance derrière ? Oui, bah ouais. Dès lors, le petit garçon vécut pour la guilde. Le souvenir des flammes d'Oakval le taraudait, mais il n'eut bientôt plus d'autres préoccupations que l'entraînement. Il devint plus fort et plus agile au fil des ans. Ses journées étaient consacrées à l'exercice, ses nuits aux études dans la bibliothèque. Enfin, il devint apprenti de la guilde, ainsi que Maz l'avait prévu. Son véritable entraînement allait pouvoir commencer. On se lève, petit flemmard. Nous devions traverser la rivière pour rencontrer le maître de la guilde. Mais c'était il y a une heure. On ferait bien d'y aller. En vitesse. D'accord, là donc mon perso a grandi. Mon perso a grandi et là nous allons... Vous êtes le plus arrogant, c'est sûr.
Encore en retard. Vous avez des problèmes d'oreiller, vous. Laissez votre bâton de côté. Nous commençons l'entraînement à armes réelles. Habituez-vous au poids de cette épée et essayez de toucher Whisper avec. Allez, voyons de quoi tu es capable, fermier. Allez, frappe la dent. Écoute. Soyez attentif. Ce que je vais vous apprendre pourrait vous sauver la vie un jour. La vie d'un héros est dangereuse. Vous devez apprendre à bloquer les attaques de vos ennemis si vous voulez vivre longtemps. Whisper va vous attaquer, mais vous pouvez bloquer ses coups avec votre arme. Tous les coups ne sont pas parables, mais vous devriez pouvoir bloquer toutes les attaques de Whisper. Un homme puissant. Ça ne marche pas à chaque fois. Ça ne marche pas à chaque fois. Bien. Voyons si vous pouvez combiner attaque. Mais il est costaud, lui, là. Bonjour, Tonnerre. Vous êtes venu. Tonnerre. C'est votre sœur. On peut dire ça. Whisper m'a dit qu'elle s'entraînait avec un fermier. Maz pense qu'il possède un grand potentiel. De taille à faire face à ma petite sœur. Nous allons voir. Whisper et le garçon s'entraînent à la mêlée en ce moment. Voyons lequel des deux a le plus appris de son entraînement. Tous les coups sont permis, comme pour l'examen final de mêlée. Préparez-vous. Fillette, plus haute la garde. Ça ne va pas du tout, Whisper. Tu dois travailler plus. Vous ne m'avez jamais vu dans l'arène. Dommage, vous auriez appris un truc ou deux. Continuez l'entraînement si vous voulez y aller un jour. Sans votre intervention, je l'aurais bien battu. Nous manquons déjà cruellement de héros. Il est inutile de vous étriper ainsi à l'entraînement. Parlez-moi pour passer à la prochaine étape de l'entraînement. Je serai sur le champ de tir. Et au sujet de votre performance? Bien. Continuez à combattre comme ça et vous irez loin. Retrouvez-moi ensuite au champ de tir pour poursuivre votre entraînement. Êtes-vous prêt pour votre entraînement à l'arc? Continuons l'entraînement avec l'arc. Commençons par voir si vous pouvez toucher les trois cibles immobiles. Et mettez-y de la force. Plus vous tendez la corde de l'arc, plus vous infligez de dégâts. Attention à bien rester dans le cercle. Ensuite, verrouillez la cible. Bravo ! Vous avez touché toutes les cibles. Mais les ennemis ne restent pas immobiles. Passons maintenant à des cibles mouvantes. Vous avez une minute pour faire le maximum de points. La cible de devant vaut 1 point. Celle du milieu en vaut 3. Et la cible de derrière rapporte 9 points.
Souvenez-vous, plus vous tendez la corde de l'arc, plus votre tir inflige de dégâts. Plus de dégâts égale plus de points. Mais il faut doser puissance, précision et cadence de tir. Voyons ce que vous valez. Allez, gars, sortez votre arc. Ah merde. Joli tir. Excellent coup. Continuez ainsi. Ah putain merde. Ah, je l'ai pas touché. Ah là 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 là. Oh bah merde, je passe entre les deux. Ah, maître, on entraîne de beaux jeunes hommes. Yes. C'est le vénérable maître de la guilde. Bonne visée. Continuez. Nous verrons ensuite la voie de la volonté. Parlez-moi quand vous serez prêt à continuer l'entraînement. Je serai sur l'île près des cascades. Y a-t-il des apprentis pour un entraînement de mêlée? Vous allez apprendre les pouvoirs de volonté. Frappez ces mannequins avec la foudre. Voyons ce que vous savez faire. C'est ça. Voyons combien vous en touchez en 30 secondes. N'attaquez que les mannequins qui sont tournés vers le centre de l'île. Vous ne marquerez pas de points en les touchant derrière. Vous perdrez seulement du mana. Les pouvoirs de volonté consomment du mana, qui se régénère progressivement. Excellent usage de la magie. Très bien. Vous avez appris les trois disciplines de héros. Nous pouvons maintenant passer au test final, si vous êtes prêts. Vous pouvez aussi explorer davantage la guilde. Je crois que Whisper compte aller dans les bois de la guilde si vous souhaitez la rejoindre. J'espère que vous êtes prêts. La maîtrise des talents de héros demande des années. Le garçon assimila les enseignements aisément, mais il y avait toujours plus à apprendre. Pendant des années, la guilde fut son foyer, son école, sa vie. Mais à mesure que le temps s'écoulait, ses aspirations se tournaient vers l'extérieur. La vie qui lui avait été volée, la famille à laquelle on l'avait arraché.
Vint enfin le jour de ses épreuves finales. S'il réussissait, ce serait la fin de son entraînement. Il recevrait le sceau de la guilde et serait libre de forger son propre destin. Il deviendrait un héros. Pour passer le diplôme, vous devez réussir une dernière épreuve. Allez dans les bois de la guilde, jusqu'au tronc sur la colline. L'épreuve vous y sera révélée. Bonne chance. Alors, Est-il des apprentis pour une évaluation au tir à l'arc ? Non, je sais pas. Y a-t-il des apprentis pour un entraînement de mêlée ? Pas m'attarder sur les entraînements. Je vais directement partir sur le sur l'histoire. Je parie que tu te demandes comment passer l'épreuve finale. C'est simple. Tu dois me vaincre en utilisant tout ce que tu as appris. L'épée pour commencer. Frappe-moi si tu peux. Allez, bats-toi. Et où ? Ah, il est là. Allez, bats-toi. Bien. Maintenant, utilise ton arc. Pas trop près quand même. Excellent. Pour terminer, lance-moi le sort foudre. Pas de souci. Ça suffit. Très impressionnant pour un novice. Les vrais combats sont beaucoup plus dangereux, bien sûr. Tu as réussi l'épreuve finale. Le maître de la guilde va donc te remettre ton sceau de la guilde. Eh bien, c'est le grand jour, garçon. Je me souviens du jour où vous êtes arrivé, et regardez-vous maintenant. Maz avait raison de croire en vous. Allez, venez. La cérémonie aura lieu dans la salle du destin, la partie la plus ancienne de la guilde. Que s'approchent les apprentis. Depuis des années, vous travaillez dur pour mériter le titre de héros. Aujourd'hui, votre apprentissage prend fin. Vous partez pour accomplir de grandes tâches. Des faits qui resteront dans le cœur des gens. Ou qui les terrifieront. C'est une époque troublée. Les ombres d'Albion s'éveillent et des vents étranges soufflent. Vos choix, qu'ils vous conduisent sur la voie du mal ou du bien,
changeront la face du monde. Prenez votre sceau de la guilde. Vous êtes des héros maintenant. C'est le jour du départ, mon garçon. Vous êtes plus que jamais membre de la guilde. Sur la table de la carte, vous trouverez des détails sur les quêtes que les héros d'Albion peuvent accomplir. Et vous reviendrez souvent pour transformer votre expérience en compétences. Ce n'est que comme cela que vous progresserez en tant que héros. Venez à la lumière et je vous expliquerai comment faire. Alors, il y a la magie. Combien on voit ce qu'on a? Ok. Alors. Vous avez maintenant plus d'un sort pour Ok. Je n'ai plus grand-chose à vous enseigner, mais si vous avez besoin de conseils, je serai là. Et votre sceau de la guilde me permettra de vous parler à tout moment. Vous verrez aussi qu'il clignote quand vous avez assez d'expérience à dépenser. Je vous ai fourni des fournitures de base, cela devrait vous suffire pour un moment. Vous avez tout un monde à explorer. Choisissez vos quêtes à la guilde. Prenez la carte de quête des guêpes sur la table. Alors, menace des guêpes. Sorti, ok, d'accord. Hop. Alors, c'est par là. Souvenez-vous que suivre les marqueurs dorés sur votre carte vous mènera à vos objectifs de quête. Les guêpes attaquent la zone de pique-nique. Venez avec moi. Suivez-moi. Quel gros tas de haillons puants. Des guêpes. Par ici. Suivez-moi. C'est par là, s'il vous plaît, sauvez mes... J'y vais.
On va buter des guêpes. Elles sont méchantes, hein, les guêpes. Hein. Ouais, quand même. Tue les guêpes sur l'air de pique-nique. M'avoir sauvé. Je vais parler de vous à tout le monde. Viens là, toi. Ça, c'est une grosse guêpe, hein. De grosses, grosses guêpes. Voilà. Recevez une nouvelle quête. Chasse poulet. Il n'a pas l'air d'un chasseur de poulet. Comment on choisit? Je ferme ce regarde. Comment je pars de là? Quête en cours. Ben, je peux vous dire que ça fait vraiment plaisir de retrouver ce petit fable. De tous les fables que j'ai pu jouer, parce que je les ai tous faits. Sincèrement, c'est le premier pour moi. Pour moi personnellement, ça a toujours été le meilleur. Ça carrément, il est pas super long, mais je sais pas s'ils ont rajouté des trucs, mais celui-là auquel j'ai pu jouer à l'époque de la Xbox, pour moi ça a été le meilleur. Donc voilà, ça fait à peu près, je vais vous dire ce que... Ça fait à peu près 53 minutes que je fais la vidéo, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et sur ce, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Puis je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss! Si tu as aimé ma vidéo, un petit pouce vert et au pire...